Hé, il y a un rire où je suis en train de partir. Oh, 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 oh. Je ne sais pas encore. Je suis en retard. Le soco. Vous nous dites non, le réseau est bon. Aujourd'hui, le réseau est bon. C'est pas les pépettes. Tu fais souvent le réseau fuit, ça fuit là. C'est grave. Quand vous me voyez entrer aux toilettes comme ça, sachez que c'est grave. Non. On parle tout aujourd'hui, on chacalise tout. Mon frère. On fait tout. J'ai 45 minutes. Où est-ce que 45 minutes? 30 minutes. Il est que là. T'as un peu mal. C'est comme si elles sont passées à la fête. Elles sont même pas nombreuses. C'est pas comme ça. Lily, bonsoir. Bonsoir, Bibiche. Bonsoir, Ariel. Tu as arrêté, mais tu es en direct. Oui, laisse, fille, ça fait quoi? Oreille, on t'a bonsoir. J'attends qu'on vienne mettre mes copes, non? Pendant que vous partagez et dansez la danse du soco. Soco. Il ne faut pas le soco avec moi. Je n'ai même pas encore 100 mètres de code ici. Partagez. On fait le soco de marque pomme et pour papa. Wouhou! Ça cuit. Doris dit que chaque jour. Et Doris est toujours là pour regarder chaque jour. Tac. On parle au sort sur ça, ça sort comme ça sort. T'as dit quoi, Léa? Ça va bien. N'est-ce pas, Ange? Bonsoir, Valérie la reine. Mes ex pleurent. Il y a quelques ex connectés là. Mon fils là, Ariel là, Harold là qui a commandé, c'est un ex. Il est en France avec les pleurs. Quand j'entre seulement la douche pour faire le soco, c'est parce qu'il veut parler fort, il veut crier. Bonsoir Fabiola, Lily et toi, bonsoir. Mets-le ton Facebook. Il n'a pas Facebook. Ouf! Tu n'as même pas de. Une jeune fille quand elle cherche Facebook. Parce qu'elle parle fort. Tu as failli finir. Ça peut pas se passer. Bonsoir Franck. Fabiola, j'ai dit bonsoir, non, je vais les méga. Bah, Doris, attends, tu n'as pas d'ex, toi? Gars, appelle un de tes ex, tu le harces, le transfert, purée. On est où, là? Ouf. Donc, on peut faire comme ça que les ex de la gauche, ils sont tous morts, hein. Comment tu viens gratter les gigas en plein direct? Ne suis pas nos ex, ou si tu n'as pas d'ex. Lève, on prend tes cœurs. Ta poupée, j'ai appris. Emmanuel, bonsoir. Salut, bonsoir. Non, je suis pas enceinte, moi. Quelqu'un est ma enceinte. Johnny fait enceinte. Comment? Bonsoir, Janine, Léa, pardon, parce que laisse-nous avec tes ex. Non, ils ne vous laissent pas. On va les achever. Oh, purée. Sans envie de soco. Donc, vous savez seulement, on dit partage, vous de partage. On fait le soco avec 174 personnes en ligne qu'on est. Qu'est-ce que la sorcellerie? Non, maman, s'il n'y a pas au moins 200 personnes, on fait pour le soco là. Et pas pour risquer, on peut me tailler dans le noir, là, on brise mes côtes pour 100. On n'a même pas 300. Qu'est-ce que c'est quoi? Vous voulez suer nos ex? Voilà, un ex qui nous regarde, il envoie les cœurs. On vous dit que l'ex là en France, il est riche. Hein?
Si on n'a pas brisé avec les deux, il faut qu'on brise avec les vues. Ou bien. Coucou. Attends. Prunelle, bon, c'est qui? WhatsApp, hein? WhatsApp, bonsoir. Ta crème, bonsoir. Dorian, bonsoir. Nina, bonsoir. Paris, bonsoir. Partagez. Le genre de ils ont socot de marque et pomme. Vous savez que j'aime faire le socot de marque et pomme, non? Le socot de marque et pomme est sucré avec pour Noël. Avec pour qui même? J'aime faire le socot des trois là. Marque et pomme, mandibulos. Non, j'aime faire le socot de marque et pomme, mandibulos. Et Noël témoin. Voix de Danton, lui. Un soin, j'appuie chocolat. Bonsoir Ivana. La douce, bonsoir. Tous ceux qui font là, vous pouvez disparaître en même temps. Hein? Ça, c'est la page des immatures. Nous sommes immatures. On aime notre immaturité. On se sent bien dans notre immaturité. Hey! Wow! C'est trop bête. Voilà les ex. Voilà les ex comme ça. Les ex. Il pleure, il regrette de m'avoir abandonné. Et voilà tous connectés. Que Léa, je suis ton remède. Tu le remède de qui? Hein? Les dents comme les morceaux de manioc. Tu le remède de qui? Fouin. Depuis que tu es parti à Bosnie, j'ai la 5 fois que je m'ai envoyé. Un faux ex comme ça. Puisqu'il m'écrit même. Fou le camp. Moi aussi, Yako, je suis ton. Je ne suis pas ton ex. C'était Rémi. Pas de Rémi. J'étais réunie, pardon. Pas les gens d'ex qui me souillent. Les ex qui sont allés aux États-Unis m'envoient les dollars chaque jour. Tiens, là, tu viens aussi écrit que oh, je suis ton remède. Tu n'as pas 20 000 dollars. Tu ne peux pas m'envoyer même 2 dollars. Ou c'est 5 dollars, ou c'est 1 dollar. Fouine. Mouf. Coucou, étoile de lune, bonsoir. Dis-nous alors qui est le père de Naël. C'est un père là. Aïcha, elle est au téléphone. Lui aussi, il y a qui Léa, c'est son ex. Il est chiche. Toi-même, tu as la voix de Danton. Oui. Mandibulos. C'est qui donc? C'est une fille là. Lance ce corps, s'il te plaît. Les dents, combien de morceaux de manure? Oui. Ouf. On va là. Quand moi je parlais des ex, écoutez-moi bien. En fait, quand je parlais des ex, je parlais des ex choco. Hein. Les ex choco qui ont la jambe. Les filles vous conseillent. Ne traitez pas vos ex qui sont foirés. Hein, hein. Si un de tes ex est foiré, bats-le. Hmm? Tu le bats. Quand on parle des ex, là, on parle des ex choco. Ce n'est pas les mbrakatas ex là. Qui aussi les hommes font comme nous-mêmes. Hein? T'es très drôle. Merci Hélène. Bruno Fessi. Voici aussi l'autre gars. Si vous l'avez fait 15 ans en Ben. Il n'arrive même pas à rentrer au pays aussi. Il est dans le IB de toutes les femmes. Il est dragué toutes les filles du Cameroun. Ouf. On fait les ex. Non, 3 gigas. Les 4 j'ai maintenant. Les ex qui roulent en Range Rover. On ne veut pas les ex qui marchent à pied partout sur les motos à doigts là. On veut les ex qui roulent en Range Rover. Hein? Oui. Déjà, dès que Aïcha vient avec les roues comme ça là, ils achètent. Oh putain. Lily, apparemment, tu es aussi choups avec Aïcha. Oui, je profite maintenant. Même si ça a été que j'ai bien profité. Nina, bonsoir. Apparemment, tu es. Oui, j'ai répondu dans Africa Queen. Vous connaissez comment on fait notre dire de nombreux dans le chiffre, cela ne m'intéresse pas. Je ne peux pas bagarrer avec mes ex jusqu'à casser mon nombre comme ça là. Pour venir faire le direct, on ne peut. Regardez mon nombre que j'ai bagarré avec les ex partout au quartier. Parce qu'ils voulaient faire, ils arrachaient mon téléphone pour que je ne fasse pas le direct. J'ai bagarré jusqu'à, je viens, vous n'avez même pas partagé. Vous avez 200 personnes qui me regardaient. Il n'y a même pas 200, il n'y a même pas 100 partages, mon frère. Vous voulez gaspiller mon temps, le temps de Johnny Fleur, moi Johnny Fleur. J'ai dit à Aïcha, les enfants sont où? Les enfants sont en France avec sa mère, non? Avec le grand-mère. Bon! Tant pis pour les retardataires. Parce que comme ils lancent la feu, c'est parti. Bonsoir Eleonore. Quand on a eu le signe de mer. Bonsoir Eleonore.
Il est d'abord ex, après il est encore foiré. On parle quoi avec eux dans les gars. Mon frère, voilà même non. L'autre vidéo de tout à l'heure, c'était le miel. J'ai quitté Dagobert pour toi. Il est dit, elle va m'embrouiller. T'es simple, Léa. Tu ne te sens pas. Toi, c'est bien. Maman doit me sentir que je suis la poubelle. Toi, tu es propre, bébé. Beauté. Merci. J'ai dit que vous devez, je vous donne le gommage. Vous avez refusé. Mon gommage coûte 15 000 francs. 15 000 francs, mon gommage. Bonsoir, papy. Je dis quand même merci. Ton mot de Opeta là me tue seulement. Oh non. Oyangalo. Je vais maintenant changer Opeta pour dire Oyangalo. On marche à pied sur la moto. Comment coucou Augustin. Coucou. Aïe, je sors de la salle de. Mais je ne peux même pas sortir. Pourquoi? Aujourd'hui, oh, je vais partager. Merci Lily Hems. Ton slogan, mes ex plus la magie. Non. Ah, ils sont dans les rigoles. Tu n'es rien. Dis son prestige. Je comprends rien, je piche que dalle, moi. Jennifer lance les winners. Non, j'espère, mon père n'aime pas les bruits. Oui, mon père n'aime pas les bruits. Ouf. Ouais, ma Léa, prends tes cœurs. Je reçois. Laisse la reine, mais on ne veut pas les mandibules. Et Néo vous bipe déjà. Ton doigt va mieux. Voilà le doigt là, non. Il est à l'hôpital aujourd'hui. Le travail d'un ex comme ça, hier, yeah, à sable. T'es sur le pot, ma mère. Non, je suis pas sur le pot. Je suis pas sur le pot. Je suis au toilette, mais pas sur le pot. Je suis au toilette parce que, en fait, je suis à l'hôtel d'Aïcha. Ma parrainesse a dit que je fais trop de bruit. Qu'est-ce qu'il va encore faire au Congo? Ça, il sort de chez elle. Il a dit, bon, comme ma vie sur le Congo, ça, mais tu cherches moi où elle serait pisse, non? Où ce serait frit, où je peux crier comme je veux. Je suis donc venu ici, là. Bonsoir, Megan. Pas les mêmes noms. Léa, tu peux former un bon jeu avec Noël que moi. Yeah. Maman, pardon, lance. 325 personnes, ma chérie, pardon, réponds doucement, même dans le direct. Tu fais la brutalité. Je suis grandi au village. Mais ton test, la magie. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi un peu la lumière, mais sinon, ça dose à la base. Attention. Bon. Attendez, j'enfile mon habit. J'enfile d'abord. Le genre de sorcier, non. Je dois enfiler. J'enfile, ouais, j'enfile. J'enfile d'abord. Je ne peux pas faire un truc comme ça que il y a un truc qui va me gêner. Je dois d'abord enfiler. Yes. J'enfile d'abord. Ouéte, tu fais quoi? On ne peut pas faire un truc comme ça, on n'enfile pas. Voilà. Oui. Là, c'est la bagarre même, non. Je suis prêt. Ferme la porte, ferme la porte. J'enfile d'abord. Et même le cycliste, elle est sérieuse, hein. Et même le cycliste parce que. Elle ne joue pas. Elle n'est pas cogner la porte comme ça que je t'ai intégré, elle dit. Hein. Elle dit quoi? Attendez. Mon frère. Non, non, non. J'avance mon cycliste. Pas fait que. Oh, les histoires de Wong Wong. Attendez. Bon. Comme ça. Attendez, commence. Regardez, non. Attendez, ferme la fenêtre. Attendez, les gens sont concis. Attendez. Regardez, non. Bon, on fait le soco de marque et pomme et c'est assez qui est parti là. Mes lunettes. Et on fait.
regardez, non. Vous connaissez la fille qui restait chez Muriel, non? Chez Mumu. Sa sœur là. La petite fille là qui restait chez elle, là, qui était brune comme ça. Comme quand Muriel avait ouvert, envoûté. C'est elle qui portait les amis parce que la fille était la mannequin là. Vous vous souvenez d'elle? Fallon Tchakoute, non? En fait, je ne sais pas si c'est la cousine ou c'est sa belle-sœur. Je vais seulement vous raconter l'histoire. Voilà un jour Mumu qui part au village. Elle part au village pour faire des sacrifices, non? Pour voir le site. Les sacrifices, là, quand on part comme ça, on jette là-bas le père pour saluer les ancêtres. Mumu était parti saluer les ancêtres au village. Comme on salue les ancêtres, là, c'est au marigot. Voilà que Mumu est arrivé au marigot, elle tombe sur Tchakoute. Tchakoute est en train de puiser l'eau. Tchakoute ne supplie Muriel au village que, oh, pardon, moi aussi, je vais aller en ville. Pardon, moi aussi, je vais aller en ville. Pardon, je te promets que je serai un bon enfant. Amène-moi seulement en ville. Moi aussi, je vais aller en ville. Supplier, s'agenouiller. Voilà, Muriel ne dit d'abord rien. Muriel monte en haut, elle suit Muriel. Muriel descend, elle descend. Mon Dieu. La veille du jour que Mumu partait maintenant, elle dit à Mumu que pardon, je t'en supplie, je veux aussi que ma vie change, je veux aussi aller en ville, je veux aussi regarder Canal 2 International. Au village, il n'y a pas le câble, au village, il n'y a pas la lumière. Pardon, maman, pardon, supplier, supplier. Mumu dit, tu es vraiment sûr que tu vas aller en ville avec moi? Elle dit, oui, je veux partir. Mumu dit, tu sais qu'on m'appelle dame de fer, non? Elle dit, oui, je sais, tout le village en parle, tout le village en parle de toi, je sais que tu es une dame de fer, je sais que tu es un militaire, je sais que ton caractère est dur, mais je te promets que je serai obéissant, je ne vais jamais te décevoir. Mumu dit, tu sais que je suis enceinte, non? Elle dit, oui, je sais, va ton ventre gonflé, non? Est-ce que tu vas pouvoir me dire, nous, ça se voit que tu es enceinte? Mumu dit, d'accord. C'est pour ça, maintenant, Lisa, ma réponse me l'amène chez elle, là-bas. Là-bas où elle vit, là-bas, qu'elle peut, non? Hop, et fallait arriver, d'abord, parce qu'elle voit la maison. Elle entre, elle regarde la maison comme ça, elle fait. Donc, elle regarde d'abord la maison, c'est comme mon frère, moi, je guettais, parce qu'il était le voisin à l'époque. Moi, je guettais seulement pour voir comment elle regardait. Parce qu'il y a deux voisines. Voilà, moi, c'est l'appartement, on va pas de l'autre côté. Dans le jour que la fille entrait là-bas, je voyais comment elle se comportait. Je sais qu'elle était en train avec son sac manioc. Elle était un petit comme ça. Elle regardait la place. Elle regardait, non? Elle regardait la place, un jar, un jar. Elle se demande à monsieur que, la fille regarde les places seulement, comment comme ça là? Le lendemain, maintenant, comme ça, mais ça a envie maintenant quand on amène une personne du village. Le matin, on te présente à tous les voisins, non? Le matin, maintenant, on est venu nous présenter Tchakoute. On a salué Tchakoute, toutou. Sa peau était encore crasseuse, les lèvres étaient encore sexées. Les boutons, les comédons, les scènes, parce qu'au village, elle cultivait tellement, elle ne dormait pas. Elle cultivait tellement le champ, elle ne dormait pas au village. Donc, Mumu, c'était son dernier espoir. Mumu, est-ce que je t'amène en ville et tu jettes la roue au champ? À partir d'aujourd'hui, tu ne peux mettre la roue à l'épaule. Tchakoute a dit, d'accord. Le matin, maintenant, Mumu dit, bon, j'ai deux enfants, je te présente ma première fille. Mumu dit, je te présente ma première fille, Jalan Houston. Vous connaissez sa première fille, Jalan Houston. Et comme elle était encore enceinte, elle n'avait pas encore accouché. Tu dois laver Jalan matin, midi, soir. Est-ce que tu es prête? La voix dit oui, je suis prête. Tu dois laver Jalan Houston matin, midi, soir. Mon sol, à 5 heures, tu dois être debout pour laver mon sol. Parce que chaque temps, mes invités viennent chez moi. Chaque temps, donc. Et quand mes invités viennent chez moi, on ne me prévient pas. Ils viennent seulement sans me demander. Tchakoute a dit, d'accord, maman, est-ce que c'est quoi? Si au village, je me lève pour partir cultiver le champ à 4h32, c'est bien lever ici à 5 heures quand même de passer pour laver le petit sol ici comme ça là. Que tu racontes même quoi comme ça là? Ça c'est rien. Je veux me lever à 2h. Je veux plus me lever. Que c'est quoi? Ça vaut le champ des paquets, ça vaut l'eau que je puisais. Au village, je faisais 15 tout d'eau. 15 tout d'eau avec le saut de 20 litres sur ma tête. Avant 5h du matin, tu me parles de quoi là? Mais elle dit, ok. Donc 5h30, tu te lèves, tu fais tous mes travaux, tu laves Jalan Houston. Donc tu nettoies la maison. Elle a dit, ok. Le premier jour, Tchakoute s'est levé qu'à 2h45. 2h45, Tchakoute était debout. Cirer la maison jusqu'à laver les murs. Il dit laver la maison, c'est laver les plafonds, même pour voir où on garde la voiture. Non? La voir laver, c'est laver, même où on lave la voiture.
Ça, c'est les deux premiers mois. La nourriture, tu as pour te préparer jusqu'à. Elle tourne la nourriture dans la mamie, non? Elle lave la mamie, elle tourne encore la nourriture, elle met dans la mamie avant de fermer. Mon Dieu, je n'avais jamais vu l'enfant travailler comme ça. Ça, c'est les deux premiers mois. Ça, c'est les deux premiers mois. Maintenant, alors, maintenant, quand les invités de Muriel viennent à la maison, Muriel avait bien dit à Tchapouté que je ne veux pas que tu parles les choses comme tu parles au village, comme on va te dire bonjour. Tu dis que oui, bonjour. Si le père te dit bonjour, tu dis bonjour, ça va bien. Soyez les bienvenus, monsieur. Oui, installez-vous. Ce qui a d'abord commencé à énerver Muriel sur Tchapouté, c'est que quand les invités venaient maintenant, voilà Tchapouté. Tonton, la chante là-bas. Tu es arrivé. Il fait les clins d'œil n'importe comment, Tchapouté ne regarde pas. Mais il fait les clins d'œil. Ça, c'est d'abord ce qui a commencé à énerver Tchapouté sur Muriel. Muriel dit que comporte-toi. Je suis un personnage public. Je suis un personnage public. Je t'ai dit que tu ne t'as pas dit bonjour, que bonjour. Dis bonjour. Comment tu vas? T'as bien dormi? Installez-vous. Je ne sais pas, je vous sais quelque chose à boire. Moi, si Tchapouté avait le verre d'eau, regardez. Un invité vient. Tu bois l'eau. Prends le verre. C'est la force. C'est la guerre. Sissi est d'abord passé. Sissi est d'abord passé. Maintenant, quand Mumu a couché, Mumu a dit, je prends une ménagère. Tchapouté a dit, niet, ne prends pas de ménagère. Mais tu prends la ménagère quand je suis là. Que c'est quoi? Mumu a dit, ok. Mumu a dit que bon, tu vas seulement laver les habits de l'enfant parce que l'enfant va seulement porter les couches jetables. Tchapouté dit, tu achètes les couches jetables quand je suis là comment? Achète les couches carrées. Achète les couches carrées. Tu vas acheter les couches jetables quand je suis là. Je ne veux pas la maison. Tu dois laver, acheter des vraies couches. Oh, pétard. Voilà Mimi qui n'achète pas ses couches, je t'habille maintenant. Elle achète des couches. Les couches là, non. Les couches carrées là, là, là qu'on attache comme ça là. Tchapouté a lavé les couches. 4 jours. 4 jours. Les autres jours maintenant, Tchapouté, comment on chauffe l'eau pour laver les couches là? Voilà Tchapouté maintenant qui prend toutes les couches de l'enfant de Muriel. Elle met dans la mamie, elle dépose au feu. Elle chauffe. Jusqu'à les couches se gris. Un peu les couches disparaissaient. Tu étais là dans moi. Un peu les couches disparaissaient. Un peu les couches de l'enfant disparaissaient. Il dit que, mais les couches de l'enfant, c'est qui a acheté payé 12 et 10 ans. Il ne reste même plus 7 couches à la maison. Je ne comprends pas. Elle dit non, quand je repassais, ça s'est brûlé. Quand je repassais, ça s'est brûlé. Bon. Quand Mimi a remarqué maintenant qu'elle ne pensait pas laver les couches, elle a dit que moi, je dois prendre une nounou pour ma fille. Je ne peux pas, tu peux pas me jeter toutes les couches de l'enfant comme ça là. Tchapouté a dit je maîtrise. Ouais. Maman, je maîtrise, ne t'inquiète pas, je maîtrise le ouais. Lui a dit que non, à la liste là, non, je ne peux pas. C'est comme ça maintenant, quand Mimi voulait faire ses sorties pour aller faire ses shootings, ses photos, faire son marché, comme le nouveau bébé là, vous savez quoi, on accouche au nouveau, il pleure tout là, on l'a pleuré. Un peu, nia, nia, nia. Vous savez quoi, les enfants de vos plaies là, nous, un peu, nia, 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 nia. Voilà combien d'enfants en Tchapouté maintenant. Tchapouté griffe l'enfant encore pour que Mimi ne sorte pas. Un peu comme l'enfant, elle griffe l'enfant. Ha! Ton frère! Un jour maintenant, Mimi a lavé l'enfant. On a vu comment on a pincé l'enfant partout. Elle dit que, mais ça, c'est même pas sur quoi d'enfant comme ça. L'enfant a dit que non, c'est les taches de rousseur, comme il fait chaud là, c'est rien. Mimi a digéré. Voilà le temps qui est passé. Mimi allait à Dubaï, acheter la marchandise, rentrer, prendre Tchapou comme son mannequin. N'est-ce pas, les yeux de Tchapou ont commencé. On t'a attaché. N'est-ce pas, les yeux de Tchapou se sont ouverts. Quand Mimi est rentré de Dubaï avec les mèches, les vêtements, les chaussures, les yeux de Tchapou se sont ouverts, non? On avait bien dit à Mimi que n'apprends pas l'enfant si elle s'est maquillée. Ne porte pas trop les habits sexy sur la fille. Est-ce que Mimi a compris? Quand Tchapou a commencé à être mannequin et quand Mimi l'a posté sur ses snaps, n'est-ce pas les amis de Mimi ont commencé à draguer Tchapou? Maintenant, quand les amis de Mimi commencent à draguer Tchapou comme ça, là, n'est-ce pas Tchapou commence à avoir les longs yeux? Hein? Comme il y aurait la ration de paix 5000 francs par jour parce qu'elle est à la maison. Pour sa ration. N'est-ce pas comme les choses ont commencé à donner 15 000, 20 000, 50 000. N'est-ce pas Tchapou a commencé à simplifier Muriel. En fait, Muriel n'arrivait plus à maîtriser Tchapou. Pourtant, elle-même qu'elle prenait Tchapou, elle disait que non, elle-même maîtrise. Tchapou était devenu têtu. Hé, 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 hé. Têtu.
Donc en sortant, elle ne disait même plus au revoir. Dès qu'elle est un peu, elle part. Elle arrange son make-up. Elle passe ça comme tuit. Un peu. Tchakou, t'es là. On appelle Tchakou, Tchakou, maman j'arrive. Après maintenant, quand Tchakou de nous expliquer, maintenant elle nous disait que non, en fait, c'est qu'elle est paresseuse. Mais elle peut s'asseoir ici là. Parce que la chaise, non. Mume est assise ici comme ça, là, parce que le verre ici. Elle m'a dit Tchakou, Tchakou, t'es. Viens me donner le verre ici. Pourtant, parce que le verre ici à côté. Si Mume est encore à la douche pour se brosser, voici sa brosse à dame ici là. Elle se met debout ici. Tchakou, t'es là. Tchakou, viens me donner la brosse à dame. Tchakou, t'es là, quitté. Loin là-bas, en bas, grimper, pour venir prendre la brosse à dame et donner ici à Mume. Un temps, Tchakou a dit, je suis fatigué, mais I'm tired. Je suis fatigué, mais putain, attends, même si c'est toi qui m'as mené en ville, ça te permet pas de me parler comme ça, mais je suis pas ta boniche, moi. Tu n'entends pas quoi, je suis pas ta boniche, putain. Mais de où là? Tchakou a commencé à parler à Mumu comme si elle rappelait seulement. Mumu a dit que, mais attends, tu sais chez qui tu es en train de t'adresser? Tu sais chez qui tu es en train de parler comme ça, ouais? Tu sais que je suis. Parler, c'est à madame qui peut que tu parles comme ça. Tu connais mon petit ami, c'est lui qui me drague sur Instagram, c'est qui je suis. Purée, voilà les ex de Tchakou, les gars qui l'avaient à barrer. Comme elle avait commencé avec Tétu là, ces gars l'avaient à barrer. On sait que les gars ont commencé à pleurer. Ces ex pleuraient dans les rigoles partout, les pleurs, WhatsApp, les pleurs, Snapchat, les pleurs, matin, midi, soir. Tchakou aime aussi tomber dans la danse des pleurs comme ses ex. Un peu pleurs. Un matin, maintenant, Muriel se débute pour dire que, merde, qu'est-ce qui se passe dans l'annonce? Qu'est-ce que j'avais fait comme ça? Donc, Tchakou, je suis parti au village te prendre comme ça. Je t'amène en ville. Je t'apprends à t'exprimer, mais putain, je t'exprime plus que moi. C'est comme ça que ça marche? Je te prends au village, tu t'amènes à la ville, je t'apprends à watiser, tu watises plus que moi, mais je vais te prouver que je suis madame qui est première, d'accord? C'est pas comme ça que tu dois me parler, je te parle en tant que ta mère, ok? Tchakou, mais tu me fiches le camp, purée. Mais purée, filme-moi, colle-moi le camp, colle-moi la paix. Tu me fiches le camp. Oui, je suis fatiguée. Mon gars, pas bien, mais non, tu me suis devant mon gars. Tu ne peux pas me suivre devant mon gars, moi, je suis à grande. Ok, il les signes, il les fesses, moi, ma bille, elle. Tu ne peux pas me suivre devant mes gars, ni devant mes ex. Comment? Mimi a dit d'accord. D'accord, je vais t'accorder une seconde chance. Je ne veux plus que tu sortes de chez moi sans me dire où tu pars. Parce que du moment où tu vis chez moi, tu es sous ma responsabilité. Jusqu'à preuve de contraire, tu es sous mon toit et je prends soin de toi. Donc tu vas te comporter comme je veux. Tu te comportes comme je veux, ok? Tchakou fait comme si elle n'a pas compris. Mais plus de chance de te parler, je te dis. Désormais, avant de sortir, tu me dis que tu es en train de partir. Désormais, avant que tu ne sortes, tu me dis que tu es en train de partir. Est-ce que c'est clair? Ok, maman, j'ai compris. Comment elle a compris que c'est la seconde chance, non? Elle a dit, d'accord, j'ai compris. Tata, je te promets, c'était bon. J'ai compris. Comment elle a compris, là? Est-ce qu'elle a vraiment compris? Maintenant, Tchakou t'est levé maintenant pour faire le ménage à 8h. Elle n'avait pas promis au village de se lever à 2h30 pour faire le ménage. Elle n'avait pas promis à Muriel de se lever à 2h30 chaque jour pour faire le ménage. Hein? Maintenant, le fait de se lever à 8h chaque jour, maintenant, c'était pas comme ça. Hein? Même si c'est vous-même, ça va vous plaire. Un peu maintenant, dès que Tchakou balaye un peu la cour, il a pas encore la rose. Elle se couche au canapé maintenant, voilà. Elle sourit. Muriel a dit, je vais prendre le téléphone là chez toi. Je vois que le téléphone là te distrait beaucoup. Elle dit, non, ma, c'est pas le téléphone. Un peu. Oui, alors, tu vas bien? Théo? Non, c'est ma mensonge. J'arrive, je vais pas traîner. D'accord, je te prends où? Au Bénétariat? Oui, d'accord, j'arrive. Regardez comment Tchakou dedans ses rendez-vous au Bénétariat. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de pas suer les ex de Marc et Pomme. Donc, on cherche les gars qui vont nous amener à Mamma Mia. Où il n'y a pas qui prestige. Autre chose, plus. Tchakou, t'es pas cherché, ça parle le genre de gars qui vont amener au Bénétariat. Ça, ce n'est pas souiller Muriel. Ça, ce n'est pas souiller Muriel Blanche. Donc, tu prends pas les rendez-vous au Bénétariat. Muriel a digéré. Muriel a dit, ça ne peut pas se passer comme ça. J'organise la réunion familiale. J'appelle ta mère, j'appelle ton père, j'appelle tes frères, j'appelle tes soeurs. On va siéger ici.
et tu fiches le camp chez moi. Parce que là, je te supporte vraiment plus. Est-ce que c'est clair? Tchakou dit non, s'il te plaît, accorde-moi encore une seconde chance. Mais, maman, excuse-moi, je te promets que je sais pas ce qui m'arrive, en fait. Comment elle voyait comment? Elle voyait les films, non? Elle avait vu les films sur Canal Plus, non? Donc maintenant, quand elle faisait qu'on a les films, quand maintenant, elle lui parle maintenant, elle fait qu'on a les films, non? Non, en fait, c'est... Je sais pas ce qui m'arrive, Daniel, en fait. Je sais pas. Ça, je peux me soulever pour être mes yeux, ils sont en train de me regarder, là. Mais arrête ça comme ça, putain. Est-ce que c'est clair? Is it clair? Mm-hmm, it's clair. It's clair? Mm-hmm. Is it clair? It's clair. On était où, là? Elle va pas te suivre, elle va pas... Elle va appeler, elle va faire la réunion familiale. Voilà, c'est comme ça que Mimi dit, bah putain, je vais organiser la réunion familiale, j'appelle tes frères, j'appelle tes soeurs, j'appelle tes oncles, j'appelle tes grands-parents, je sais pas, j'appelle tes ancêtres. Il doit bien falloir qu'on mette fin à tout ça. Non, mais pardon, je t'en supplie. Merci, comprends-moi, je suis ta première fille. Mais elle dit, d'accord, je n'appelle pas la famille. Vous savez ce qui est énervé, Mimi, jusqu'à ce qu'elle chasse sa fille là. Est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle on l'a chassé? Vous vous donnez la vraie raison. Pour la vraie raison. Mumu avait dit à Tchakounte que tes gars que tu pas chercher là, depuis que tu es dans la maison aussi là, les gars aussi que tu pas chercher, je ne vois même pas un bon salamon que tu as. Mais ne vends même bon habit que tu as. Si c'est que tu veux tout aller chercher les Nkwanjang, si c'est les Nkwanjang là que tu vas aller chercher, gars, mais là tu te couches, mais putain, mais là tu te couches, tu dors. Mais ça passe pas, c'est comme ça, tu passes aussi tous les jours, tu me ramènes des je sais pas, des mecs foirés, des mecs pauvres, je sais pas qui vivent des quartiers difficiles. Moi, je t'ai foiré, mais c'était avant, tu vois. Tu as dit, mais si les bosses ne me draguent pas, je fais comment alors? Si les bosses ne me draguent pas, je fais comment? Mais elle dit, Mumu a dit, moi j'ai connu le ma 20 ans. J'ai connu le ma 20 ans. Je ne sais pas pourquoi tu cours. C'est d'abord les hommes de quoi? Tu dors sur mon toit. Je te nourris. Tu manges chez moi. Tu ne payes pas le loyer. Tu consommes. Tu es une consommatrice. Tu ne payes rien. Tu vis en famille. Tu peux même d'abord voir avec les gars. Reste tranquille. Il n'y a pas le macabo dans tes fesses, Tchakounte. On a même le macabo dans tes fesses. Reste tranquille. Tchakounte a dit non, je maîtrise. Purée, elle a dit qu'elle maîtrisait Loé. Ce qui énerve Mumu maintenant, jusqu'à ce qu'elle a dit que fais tes valises, tu pars. Fais tes valises, tu quittes de chez moi. Purée, ça fait peur. Quand je pense à ça, je vous assure moi-même, j'ai mal. J'ai mal, purée, parce que c'est. Je sais pas, c'est un truc de ouf. Parce que. Seigneur, donne-moi la force de bien expliquer la partie ici. Donne-moi la force, Père. Père, je ne maîtrisais pas la partie. Je ne veux pas que je maîtrise parce que il faut que tu me donnes la force de pouvoir me maîtriser et de les transmettre tout ça. Parce que c'est fort, papa, c'est fort. Je veux la partie, c'est fort. Papa, donne-moi les forces. Donne-moi les forces, Père. J'ai envie de maîtriser cette partie. Attendez. La partie ici. Je ne veux pas qu'on me racle dans le noir. Je ne veux pas qu'on me racle dans le noir. Un matin, mon frère. Mieux soir, mieux à voyager. Elle pas là-bas au Gabon. Mieux partir au Gabon avec qui? Avec Nyanga Coco. Mieux rentre. Un peu maintenant. Tchakou assis. Un peu reste. Tchakou assis. Un peu Tchakou assis. Il dit, hé, tu as mal à la dame. Tu as mal à la dent, c'est quoi cette façon de cracher?
Mais elle a dit, putain de merde. Non, mais attends, je comprends rien. Mais tu te rends compte que tu es en train de cracher partout? Tu craches mes canapés, tu craches mes carreaux, tu craches dans ma cuisine. Tu es en train de cracher partout? Tu es en train de... Je sais pas. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu te rends compte, ouais? Tu as dit, maman, c'est le mal d'estomac. J'ai mal à l'estomac. Mais elle a dit que la partie ici, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas la partie ici. Je ne maîtrise pas la partie ici. Comment ça, tu as le mal d'estomac? Depuis quand on crache? Depuis quand le mal d'estomac fait cracher? Depuis quand? Why? Hey! La fille de Dieu est restée comme ça, serrer le corps. Serrer son corps comme ça, serrer. Prendre même le pain attaché, rien. Mais tu as pas dit, attends, tu ne peux pas me foutre de la honte au quartier, attends. Tu ne peux pas me foutre de la honte au quartier. Tu vas dans la chambre, tu vas prendre ta douche et je t'amène dans un centre. Tu vas dans la chambre, tu vas prendre ta douche et je t'amène dans un centre de santé. Pas l'hôpital, dans un centre de santé proche. Je veux voir ce qui ne va pas. S'il s'avère, que tu es enceinte, je vais te crucifier. Je vais te pendre par le clitoris. Ouais. Comme tu as quoi ancré dans la chambre là? Tu as quoi escalader par la fenêtre? Mimi est resté au salon. Il était 8h, 9h, 10h, 11h. La voix dit que mais. L'enfant c'est toute la chambre depuis qu'elle s'est lavée. Allez, ouvre la chambre. Il n'y a personne dans la douche, personne dans la chambre. Tu as quoi repris qu'à la fenêtre? Vous, Yaoundé! Mais elle pensait qu'elle maîtrisait. Elle m'a dit qu'elle maîtrisait rien. On ne peut pas maîtriser une femme. Tu ne peux pas maîtriser une femme. Ça, c'est pathétique. Mais attends, barre la caméra sur moi. C'est qui? C'est dommage. Vous voyez comment tu vas au village, tu prends un enfant, tu héberges, tu la nourris, tu l'habilles. Si tu es comme un futur bordel, ça fait rire. Mimi a cru qu'elle pouvait maîtriser la situation. Mais au final, elle n'a rien maîtrisé. Tchakou est à Yaoundé. Ou c'est encore dedans, ou ce n'est pas dedans, gaja. Nenze, mais c'est ndi. Nous, mon reste, on attend. On attend la suite. Hey, le gens qui est transpissé, on peut me caler dans le noir. Hey, mon frère, on peut me faire le caler dans le noir. Gars, mimi, restez. Ne mets pas les organes, tu y as, non? Ouais, aussi, c'est ici. On dit qu'elle arrête la caméra. Elle a compris qu'il y a les gars à la réception. Là, aussi, qu'ils sont comme la biche. Elle fait ça par la réception. C'est comme ça que la borderie commence. C'est comme ça que la prostitution commence. Un enfant qui entend seulement la voix d'un homme, elle est sortie m'abordant le téléphone. C'est comme ça que la borderie commence. Oui. Elle attend ici, là. Oui. On dit en patois qu'on avait simplifié le cafard. Il a fini un régime de plantain, un régime de banane. C'est comme ça que ça commence. Arrête la caméra. Elle a compris qu'elle est garçon à la réception. Là, voilà qui coupe, couilla, couilla. Là, voilà la réception. Tu es une bordelle, maman. Hein? Oh, putain. Attendez. D'où comme ça qu'on parle aux enfants, ils disent qu'elles maîtrisent. On va parler, oh, je maîtrise. On va parler, je maîtrise. Pourtant, en réalité, on ne maîtrise rien. Attendez. On va me mettre ça. Ça ne va pas mettre assez. Moi, je suis prêt à tout. Pourquoi mon socodose?
comment pas me saouler comme ça devant les ex qui sont en train de me regarder. Parce que je parle de mon dire parce que tu abandonnes la caméra, putain. On est où là? Ouais! Donc, le jour que vous mettez en cellule, je veux vous voir, je veux vous voir. Vous criez libéré Léa, je suis Léa. Comment quand ça crie sur moi, ça crie seul, hein? Ha! Si ça crie sur moi, oh, vous dites que je suis Léa. Il y a encore un socola comme ça. Je ne sais pas si on va pouvoir décortiquer ça ce soir. Je ne sais pas. Les gens qu'on parle, on conseille, on vous parle de ce que vous maîtrisez. Pourtant, vous ne maîtrisez rien. Vous pleurez partout. Maintenant, vous pleurez encore plus que nos ex-mêmes. Hein? Voilà aussi. Voilà aussi Coudelina qui est devenue la copine intime de Blanche Mali. Là, voilà aussi. Pendant que petit fille doit rire, rire comme une fille d'un âge. Tu commences à imiter les rires des cocos et Emilia. Rire comme un enfant d'un âge. Tous les 5 dehors. Voilà aussi Poupi qui est devenue la meilleure amie de Blanche Bali. Elles ont dit qu'elles vont maintenant faire. Elles vont choisir les meilleures copines maintenant qui sont que les artistes, les chanteuses. Voilà aussi manque de foi avec Pompidou, Mimi. Chacune a choisi maintenant seulement Jesus. Donc chacune a dit maintenant que je suis que la meilleure amie d'une artiste maintenant, des chanteuses. Mimi est partie avec Mimi. Maintenant aussi, Chacune est partie au Zaire Blanche Bali. Les synapses, Yaoundé, les synapses, un peu. Ha! Purée, ouf. Je ne sais pas comment commencer pour décortiquer pour les gens. Je ne sais pas comment commencer pour décortiquer pour les gens. Je ne sais pas comment commencer pour décortiquer pour les gens là. Tu n'es pas allé dire qu'elle maîtrise. Elle ne maîtrise rien. J'avais parlé la question. J'avais parlé ça comme ça. J'avais parlé ça. Que Mimi reste à les poupies. Reste à les poupies. Elle dit que je maîtrise. Je maîtrise. Oh, je veux marcher avec Pompidou. Je veux marcher avec Pompidou. Je suis une future chanteuse. Moi-même, je chante. Je dois marcher avec les personnes qui font la même chose que moi. Ah, voilà qui allait être la meilleure amie de Mimi. Voilà aussi Coutelina, qui est partie aussi maintenant faire sa mère Blanche Bali. On vient, on respire encore sur Snap. On peut vivre, je peux dormir, je peux encore ouvrir mon Snap, je peux encore ouvrir mes statuts WhatsApp, les photos, un bébé. Waouh, ça c'est cool, hein. Merci beaucoup, ça va m'envoyer ça. Ça doit être un ex qui veut nous gâter le Japon. Mais il ne peut pas. C'est un ex. Je ne sais pas comment je vais commencer pour Bouxy et Blanche Palier. Parce qu'en fait, c'est. Donc, je ne sais pas. Donc. Et, si je vous explique, si je vous explique le schéma, sinon. Si je vous explique. Tu arrêtes. Non, oui, pardon. Si je vous explique. Vous aimez que le Congo ça, le soc, on va vous tuer jusqu'à vous caler poster comme ça pour Gaïa. Non, vous êtes dedans. J'ai fini pour Marc Pomme. Vous êtes tous 544. Donc, vous voulez qu'on décortique que tout est soc aujourd'hui. Il y a le soc de Mumu
Poupi Blanche Bali et Mimi. Il y a le soccer de Africa Foot. Vous connaissez Africa Foot, non? Il y a le soccer de Africa Foot qui en train de se plaindre que ses copines ne la soutiennent pas. Que ses copines ne la soutiennent pas. S'il y a une des copines de Africa Foot qui est en train de me regarder, allez la soutenir. Allez soutenir Africa Foot. Vous savez seulement quand vos copines sont pauvres, non? Qu'elles commencent à faire un truc qui est sérieux, maintenant vous fuyez. Allez manger chez Africa Foot. Wenge! Il y a aussi Steve Fab. Voilà aussi Steve Fab, notre fille à qui Baba depuis sur Facebook. Voilà aussi pour Steve Fab. Il veut comment lui expliquer qu'elle est laissée qu'elle. Hein? Il veut comment sur qu'elle. Oh, maintenant, il n'y a pas qui. Je ne me suis pas encore manqué, je ne me suis pas encore allé. Si c'est un chemin sur un plan cartésien, pardon, laisse. C'est trop difficile à comprendre. Ouais! Oh, maintenant, il n'y a pas qui. Honnêtement, on mange tous les jours. Les filles ont dormi là-bas. Le photographe et le photographe qui ont pris aussi ce qui a respiré. Mais c'est ce genre de Japon. Mais alors, où est-ce? Aïcha, le genre de Japon, c'est comme ça, il y a ça où? J'ai pas dit c'est lui qui est dormi, attendez, prouk, là-bas en haut. Non, c'était rien. Le pays s'est gâté. Le pays s'est gâté. Personne n'est petit. Tu vas pas faire fort, hein. Attends, c'est pas la maison de mon père, moi. Ne mets pas le cœur que tu as. Oh, moi, je suis fatiguée. Maman, il y a un socola qui a compris tout à l'heure. Si
tu expliques ça et je vais me tuer. Ce n'est pas la petite qui a eu de moi. Oui! Ah! Kamen, c'est elle! C'est elle! Jugen! Mmh. Voilà, tu as compté à la marque sur Facebook comment tu es échoué. Voici les gens qui sont en train de m'appeler ça. Qui? Non, bah si, c'est elle qui est échouée parce qu'elle voyait les mèches brisées. Là, là, ça. Oui, moi. Tu as les dents comme des morceaux, mais qui est là? Oui, maman. Si tu as une fille à la maison qui veut rire, si tu veux voir une fille qui connaît un homme ou qui a l'air et a ses habits, qu'est-ce que ça c'est une future mbo. Ça c'est une future mbo. Que vous parlez pas. Une petite fille doit rire sans se contrôler. Quand tu es une petite fille qui est naïve, tu ne connais rien. Tu dois rire sans te contrôler en fait. Tu es d'abord qui. Ça c'est bon. Il commence comme ça là. La prostitution. Tu vois qu'abonner commence. Quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, quand mes seins avaient commencé à pousser, il dit quand mes seins avaient seulement commencé à pousser, écoutez bien l'histoire cela. J'avais peut-être 16 ans, parce que mes seins ont commencé à pousser à 16 ans. Ça avait commencé, donc c'était encore les petits points comme ça que ça commençait encore à pousser comme ça là. Voilà comment je marche déjà. Il fallait voir comment. Donc, voilà. Partout au quartier, si on va à la boutique, moi voilà au quartier. Ma mère faisait comme ça, non. Que pas! Jusqu'à ce que mon cœur pouvait sortir. Donc là, j'ai fait ma poitrine pendant pratiquement 6 mois. Mais elle marchait comme ça. Elle m'a dit qu'une petite fille est ton âge. Tu marches, tu allonges la poitrine. Où sont d'abord les seins là? Les seins, où sont les seins qui ont commencé à bouger quand tu allonges là devant? C'est où? Donc ma mère dosait ma poitrine comme ça. Quelqu'un que je marchais comme ça. Elle m'a acheté à l'époque, il y a un truc qu'on appelait le CSN. Je portais le CSN jusqu'à 19 ans. 19 ans. Quand j'ai enlevé le CSN, mes seins restaient comme ça là. Donc mes seins restaient comme ça. Tu pouvais enlever. Tu marches un peu, tu marches devant ta mère. Et tu le derrière, pas pour voir ce que tu as porté. Tu passes devant le pâté, et tu pas pour voir ce que tu as porté. Moi, je vois la génération. D'enfant, si je me demande si rester, je ne sais même pas, j'apprécie les parents parce que c'est comme on fait quand j'étais jeune, Dieu seul connaît. Tu passes une pêche, les grands frères de chez bam! Tout le monde te gifle, tout le monde te couille, tout le monde te pousse. Mets ta poitrine dedans. J'ai enlevé le CSN à 19 ans. J'ai commencé à niaiser à 20 ans. Et la première fois que je m'avais fait, c'est l'enfant qui entre. Un tour. Donc le jour aussi qu'elle part, je croisais m'embrasser. Je croisais comment on m'oblige. Et puis aussi, le gars ouvre sa bouche aussi. Comme une aliénée. Un peu. C'est l'enfant qui est entré. Un tour. Un tour seulement, un tour. Ma mère dit, tu vas accoucher. Quand tu vas accoucher. Oh, ici, tu vas accoucher. Il fallait me voir au quartier. Il était allé acheter les cyclistes. Donc, même 7 cyclistes. J'ai tissé les cyclistes chaque jour. Voilà ça que ça a pris. Les vieilles habitudes. Donc, ils étaient portés aux cyclistes. Voilà ça, non. Mon réflexe, maintenant, c'est porter les cyclistes. À cause de la grossesse à 20 ans. Esprit de porter aussi qui s'est calé dans moi. Quand j'ai accouché, maman dit, tu vas téter l'enfant là. Que tu vas téter l'enfant là. J'ai aussi compris, on disait que oh, les biberons. Maman dit, tu vas téter l'enfant là. Et mon fils tétait aussi comme un aliéné. Un peu. L'enfant a été 9 mois, mon frère. Si encore c'est cela, non, Dieu se les grave. Parce que la façon dont l'enfant voulait plus qu'elle tombe drague un jour. Le genre que tu as en train de laver les couches de l'enfant, dès que tes seins glissent un peu, il est attrapé. Dès que tu veux pas laver les siens, le côté se sort, il est attrapé. Il dit que l'enfant, c'est pas simple.
Si on t'a envoyé derrière moi, c'est que tu ne m'as pas vu. Merde, tu veux dresser le lit un peu, dès que tes signes sont pas les attraper, dès que tu as. Mais, on va dire, tête d'enfant là, on t'a envoyé accoucher. Tu vas dire, où tête d'enfant là? Ouais, ok. C'est long, hein? C'est un schéma. Mes ex, ils doivent pleurer. Parce que la vengeance que j'ai faite. Et ma mère me disait que si, que comme tu as couché jusqu'à l'enfant à un an là, que tu dis seulement bonjour à un homme, l'autre va entrer. Que tu dis seulement bonjour à un homme, l'autre va entrer, son frère va entrer, sa soeur va entrer. Il fallait voir comment un gars me disait bonjour en route. Le marathon dans les langues que je prenais pour fuir. Quand un gars me regarde, donc un gars se tourne seulement pour me regarder. La course qui est pas mort. Mais après que je suis arrivée ici, voilà. Quand je suis arrivée dans cette ville, il dit d'accord. Je vais vous traiter. Moi, Jennifer, je vais vous traiter. Ça se quoi? Et du moi, je lui fais, vous traiter. Je ne pas les ouais qui est allé faire le homme tout soir. Vous traiter maintenant. C'est le principe. Hey, Champa! Ouais. Non, pardon, attendez, pas moi. Non, pas nous faire la fête. On va faire la fête. Coucou Fanny. Oui Fanny, je suis Boudano. Quand tu arrives à Douala, tu maîtrisais. Je maîtrisais la chose. Je maîtrisais, j'avais la maîtrise. Merci Jamia. C'est un des mêmes Bouddha. Non, je suis victime. Non, non, les matins traumatisent. À l'ouest, non. Les mêmes Douala, les mêmes Bassa. Les mêmes là sont frites. Non, mais Bamileke, non. Elles ont fini avec. Tu peux mettre des fustres comme ça là. Même quand tu as 25 ans, même quand tu as 30 ans, un gars te parle, tu as peur. Tellement la mère t'a frustré. Oh, si tu dis seulement bonjour, un enfant va entrer. Wow, wow, wow. Non, non, Adora, non, on maîtrise maintenant. Mm-hmm. Je pars. On va continuer ça demain, pardon. J'ai aussi arrivé comme une alienée, parce que la colle est tout quittée sur mes cheveux, pardon. Maintenant, mes ex pleurent partout. Parce qu'ils savent que je maîtrise maintenant. Mm-hmm. C'était avant. Mes amants disent quoi? Je veux que même pas un peu. On peut aussi faire comme les gars. On dit quoi alors? Ne mettez pas les organes sur mes trucs, on s'amuse. Ne mettez pas les organes. Ne mettez pas les organes. Oh. Vous savez qu'on s'amuse, non? Pas d'organes. Même s'il y a quelques grains de vérité, le reste, c'est l'enjaillement. On s'amuse. Ou bien, on s'amuse, non? Pas de rancune, pas de fâcherie, pas de... On s'amuse. Bon, je vais aller, je vais, il n'y a pas qui, j'ai des personnes qui m'attendent là-bas. Moi, Jennifer, on se revoit demain. Bisous. Ciao. Pardon. Tu veux quoi? J'ai aussi du bisou. Tiens, un autre dis, maman. Bisous. Ouais. Regarde les mamans qui viennent. Hé, qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis, mon beau? Qu'est-ce que tu veux? Tiens, un autre clip. Bye bye. On se revoit dans le prochain direct de ma maman. Oh, ma qui tu es jumelle? Ouais, bon, en fait, bye bye, bisous. Ouais. Aïe, je suis très fatiguée. Je suis en train de dire quoi?
Pour ceux qui demandent le gommage là, je suis fatiguée de répéter ça. Juste le gommage là coûte 15 000 francs. Hein? Attendez, il n'y a pas trop de lumière. Mais le deuxième bon gommage, c'est 15 000. 15 000 francs, c'est presque un litre. Donc, ceux qui me demandent là, c'est 15 000 francs. 15 000 francs le gommage, 15 000 francs le gommage. Voilà, bonne soirée, je vous embrasse tous, prenez soin de vous. Et priez avant de dormir, priez avant de sortir parce que dehors là c'est gâté. Bye bye, ciao. Mouah.